Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre une routine matinale pour tonifier le corps, pour ouvrir le corps dès le matin, dès le lever. C'est quelque chose de très facile à faire. Vous pouvez le faire donc dans votre lit. Je vous invite, voyez, dans mon lit ce matin, parce que c'est dans le lit que je commence déjà à travailler un petit peu mon corps, parce que je trouve que le matin, c'est vraiment le moment très très propice pour commencer à installer des bonnes habitudes, tout simplement, pour mettre le ton pour la journée. On se sent tellement mieux quand on fait circuler le sang et la lymphe dès le matin. Donc, je vous montre tout de suite. Mais avant de suivre ma petite routine matinale, je vous propose de télécharger le guide bien-être sous cette vidéo. J'ai mis un lien, vous cliquez dessus, vous allez recevoir gratuitement cette guide pour avoir plus d'énergie au quotidien, naturellement, plus de vitalité, plus de joie, tout ça. Télécharger le guide, c'est sous la vidéo. Alors vraiment, même si c'est que 5 minutes que vous vous prenez le matin, ça fait trop de bien et ça va tout changer pour votre humeur, pour votre posture, pour tout simplement votre bien-être général, parce qu'on se sent beaucoup mieux quand le corps a déjà commencé à être oxygéné. Donc, ce que je fais souvent pour commencer, je me mets en posture de Apanasana, c'est la posture de l'ourson, les genoux dans la poitrine, menton vers le sternum, on presse les lombaires dans le matelas, on presse les genoux contre la poitrine, on respire ici quelques instants. Ça va étirer le dos, ça va soulager les lombaires, ça commence à tout doucement ouvrir les hanches aussi. Et puis j'adore les torsions qui commencent à détoxifier le corps. Ça aide le corps à se nettoyer, ça soutient le processus naturel de détoxification. Donc ce que je fais pour commencer, je croise le genou droit sur le genou gauche. Ça va faire une torsion plus intense. Je fais tomber les genoux ensemble vers la gauche, les bras en croix et je regarde dans l'autre sens. Et je respire ici quelques instants, au moins 5 respirations. Et vous essayez de vraiment respirer dans le bas de votre ventre. Si c'est trop intense pour vous, tout simplement les genoux ensemble qui tombent sur un côté. Moi, j'ai déjà pas mal d'ouverture dans le dos. Donc, je préfère croiser et même presser un petit peu avec le bras pour amener les genoux encore plus dans le matelas. Je regarde dans l'autre sens. Vous respirez tranquillement, vous revenez au milieu, vous croisez le genou gauche sur la jambe droite et vous tombez dans l'autre sens, vous regardez dans la direction opposée par rapport au genou, vous respirez dans le bas du ventre et vous vous concentrez sur la détente dans la colonne, les deux épaules, les mâchoires. Et vous revenez au milieu. Bien sûr, là, je vous montre vite fait. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez après 10, 20, 30 respirations en fonction de votre corps. Et puis, je commence à tonifier la sangle abdominale. Les talons vers le ciel. Et puis, je fais des mini mouvements avec le bassin. Je soulève le bassin. Les talons s'approchent du ciel à chaque fois. Comme ceci, vous pouvez vous aider avec les mains pour presser au même temps dans le matelas parce qu'au début, peut-être ce mouvement aussi, ça va être trop pour votre sangle abdominale. Ça dépend de votre niveau,
Mais vraiment, c'est très subtil, mais c'est très efficace. C'est mille fois mieux de faire des petits mouvements subtils pour travailler les muscles en profondeur que de faire des espèces de crunch comme ça qui va vraiment abîmer le dos et les muscles abdominaux. Donc, je fais ça quelques fois, 10, 15, 20, ça dépend. J'alterne un petit peu. Et puis, je vais croiser jambe droite devant jambe gauche. Je croise dans la direction opposée et je continue comme ça au même temps que je descends avec les deux jambes. Donc, voilà, croisement des jambes. Puis vous pouvez vous soutenir aussi pour remonter la tête un petit peu. On remonte avec les jambes. On active bien les jambes. On ne veut pas faire une espèce de mouvement à moitié, mais vraiment on active les jambes. On descend. On n'oublie pas de respirer, bien sûr. Ça va vraiment renforcer la sangle abdominale. Donc vous faites à votre rythme. Vous n'oubliez pas de respirer surtout. On n'a pas besoin d'aller très haut avec la tête. Juste, on soulève un petit peu pour regarder les jambes. Et vous relâchez. Vous pouvez soulager le dos un petit peu si besoin. Encore une fois, dans la posture de l'ourson. Et ensuite, petite variation de Navasana. On va dans ce sens avec les bras, dans l'autre sens avec les jambes. On expire quand on va dans un sens, on inspire au milieu, on expire dans l'autre sens. N'oubliez pas de vous étirer de temps en temps pour pas rester contracté tout le temps dans les muscles. Pour rester crispé en permanence pendant 5-10 minutes, mais vraiment faites des petits mouvements, faites-vous du bien. C'est le matin, donc vraiment on veut ouvrir en douceur. J'aime bien faire aussi le massage du dos en faisant des petits cercles. Et c'est bien de le faire entre les postures de ou les exercices pour les abdos. Ensuite, on monte avec les talons vers le ciel. On inspire le buste sur le matelas, on expire, on descend avec la jambe droite, on monte, touche le pied gauche avec la main droite. On inspire, on descend et on remonte avec la jambe, on expire, on fait l'autre côté. Inspire au milieu, expire. Inspire, expire. Inspire. Expire. Et vous continuez comme ça, votre rythme. Donc pareil là, essayez pas d'aller très très haut comme ça pour écraser l'abdomen. Gardez de la longueur là aussi. Et juste essayez de monter. Vous n'avez pas besoin de toucher les pieds, bien sûr. Peut-être ça va être le mollet, le tibia. Même le genou, c'est en fonction de votre ouverture, évidemment. Donc, vous faites ce que vous pouvez. Je fais une pause pour les lombaires. Je fais quelques cercles. J'aime bien ouvrir les hanches le matin aussi. C'est très important pour la posture et pour bien faire circuler, en fait, pendant la journée. Donc, je descends avec la jambe droite. Je commence par attraper mon pied gauche avec les mains. Sur une expiration, le genou s'approche du matelas. Puis je reste ici, respirer quelques instants pour ouvrir la hanche gauche. Et dans les hanches, on a tendance à accumuler beaucoup de tensions et d'émotions bloquées. Donc quand on veut travailler aussi sur des émotions, c'est bien de travailler les hanches. C'est pour le dos, la posture, pour la circulation, pour les émotions. C'est très important de travailler l'ouverture des hanches tous les jours. Et on change de côté, on attrape le pied droit, on détend bien la jambe gauche. Et à chaque expiration, le genou s'approche du matelas. Vous
pouvez mettre plus ou moins de pression, bien sûr, sur le pied. C'est en fonction de votre ouverture. On inspire et on expire dans la pleine conscience. On travaille avec son corps. On inspire, on expire dans la pleine conscience. On veut accompagner l'exercice, accompagner le mouvement. Ça va être beaucoup plus efficace et plus doux pour le corps quand on travaille avec conscience, avec le souffle. Et je remonte l'autre jambe et je fais tout de suite le Happy Baby, une de mes postures préférées. Pareil, sur l'expiration, les deux genoux s'approchent du matelas. Si vous n'attrapez pas les pieds, peut-être ça va être le tibia, les mollets. Vous faites ce que vous pouvez. Vous pouvez même avoir une sangle autour de vos pieds et tirer. Mais bon, comme on commence cette série tout de suite quand on se lève, peut-être on n'a pas forcément une sangle à portée de main. Donc vous pouvez attraper là, par exemple. Vous respirez quelques instants. Et on relâche. J'ai un exercice ensuite qui travaille vraiment bien le bas du corps, les fessiers, les cuisses, le demi-pont. Vous placez les pieds près des fessiers, parallèles, largeur de bassin. Et sur une inspiration, vous montez avec le ventre, le pubis, vous attrapez les mains sous les fessiers. Et le menton reste près du sternum, on respire ici quelques instants. Pressez les mains vers les talons. C'est très fort dans les jambes. Essayez de faire une rotation interne avec les cuisses. Les cuisses tournent vers l'intérieur pour les activer, pour les garder parallèles et pour continuer à bien tonifier. Donc gardez l'activation dans les cuisses, dans les fessiers, dans les jambes. Vous pressez vers le haut avec chaque inspiration. Et on relâche tout doucement. Ok, et avant de quitter notre lit, avant de préparer un bon petit déjeuner vitaminé, on va faire un dernier exercice qui travaille bien le bas de votre corps et surtout les fessiers pour tonifier un petit peu. Je pense que vous êtes nombreuses, peut-être nombreux aussi, à vouloir travailler un petit peu le bas de corps et cette partie-là en particulier. Donc vous vous mettez à quatre pattes. Les mains bien sous les épaules. C'est comme la posture de chat. On va se mettre dans la posture de chat. Les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin, largeur de bassin. Et puis, on fléchit le genou droit pour commencer. Vous allez faire des petits mouvements comme ceci, très subtils. Le pied flex et vous pressez le talon vers le ciel. Vous contractez votre fessier et vous faites ça 15-20 fois, par exemple. Et vous allez vraiment sentir dans les fessiers que ça commence à travailler. Moi, j'aime bien aussi répéter 3 fois une série de 15 ou 20, par exemple. Ça dépend de jour et le temps. Voilà, quand vous avez fait votre petite série, vous faites l'autre côté. Vous n'oubliez pas de respirer, surtout. C'est vraiment important. Vous éloignez les épaules des mains. Vous activez en même temps la sangle abdominale. Et après, quand vous avez fini, vous pouvez relâcher quelques respirations dans la posture de Balasana pour bien étirer le dos, pour ouvrir les hanches. Donc les genoux écartés, vous allez descendre sur le ventre, étirer les bras devant vous, le front sur le matelas. Et vous respirez là quelques instants. Vous restez bien sûr autant de temps que vous voulez. Moi, j'ai fini ma petite série pour ce matin. Je vais aller préparer un bon petit déjeuner pour moi et mon fils. Alors moi, je vais aller préparer un grand smoothie pour moi et mon fils. Quelque chose de bien vitaminé, plein d'antioxydants. Notre corps a besoin de faire le plein d'antioxydants tous les jours pour le processus naturel de détox qui a lieu dans notre corps. Donc faites le plein avec des fruits, des légumes frais, de saison, des superfoods. Moi, je vais faire, par exemple, un smoothie bowl avec la poudre d'açaï qui est plein d'antioxydants, qui contient plein de micronutriments, beaucoup de vitamine C. J'ajoute souvent aussi un peu d'ortie parce que c'est très détox, l'ortie, cette
plante incroyable qu'on utilise beaucoup en Suède. C'est vert, c'est pas très bon, donc vous ajoutez ça dans un smoothie, ça passe comme une lettre à la poste. Et j'espère que cette petite série vous a plu. Vous pouvez alterner, vous pouvez faire des séries, vous faites un exercice, vous alternez avec une autre, vous revenez à l'exercice précédent pour faire encore une petite série, quelques respirations en plus. C'est en fonction de votre temps de matin, moi j'alterne. Mais en tout cas, ça change vraiment tout pour ma journée. J'ai l'impression de vraiment mettre le ton pour ma journée. Je me sens mieux dans mon corps, je sais que je vais avoir une meilleure posture, je vais mieux respirer, je vais être mieux dans ma tête. Donc la détox dès le matin, c'est un bon conseil. Je pense que vous allez vraiment apprécier quand vous mettez en pratique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Je suis sûre qu'eux aussi vont apprécier de commencer la journée avec une petite série de yoga au lit, quelques étirements, ça fait tellement de bien d'oxygéner son corps, c'est important. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, le gros bouton rouge est sous cette vidéo, cliquez dessus parce qu'il y aura plein d'autres vidéos à venir. Yoga, alimentation, méditation, conseil bien-être général, c'est une approche holistique, donc on va travailler tout ça ensemble. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à vite. Je vous embrasse. Ciao. It's gonna be a good day today.